Mikkel quitta sa femme pour emmener son troupeau dans la partie haute de la montagne. De l'autre côté du ruisseau, une belle Lami, créature mythique, coiffait avec un peigne sa longue chevelure d'or resplendissante. Avant la tombée de la nuit, tu devras prédire le prénom de l'enfant que je porte dans mon ventre. Tu le baptiseras Aitor. La belle Lami se transforma en pont de pierre et Mikkel put emmener son troupeau dans la partie haute de la montagne. La légende raconte que l'enfant qui sortit du ventre de la Lami eut 7 enfants, lesquels créèrent les 7 provinces d'Euskal Herria. Nous devons remonter 6000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où les habitants qui vivaient entre les monts Cantabriques et les Pyrénées parlaient basque. Pendant les 1er et 3e siècles après Jésus-Christ, le proto-basque se répandit jusqu'à la Garonne par le nord, jusqu'à Andorre par l'est, jusqu'à Saragosse par le sud et jusqu'à Burgos par le sud-est. C'est une des langues qui n'a pas d'origine indo-européenne. Et en partant de cette prémisse, de nombreux linguistes ont essayé de la comparer à d'autres, cherchant à l'apparenter ou à trouver une quelconque similitude. Le basque est ainsi une langue dont on méconnaît toujours l'origine. Au 1er siècle, le territoire du basque était plus étendu que celui d'aujourd'hui. À cette époque, apparaissent les premiers mots écrits en basque sur les stèles funéraires d'Aquitaine. Mais ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que sera publié le premier livre intégralement écrit en basque. Au XIXe siècle, se produisit alors le phénomène appelé la Renaissance du basque. C'est à cette époque que le premier quotidien fut publié en basque. Entre 1936 et 1976, le franquisme persécuta durement le basque, surtout en Biscaye et Guipuscoa. Plus tard, le chercheur Koldo Suaso établirait une nouvelle carte linguistique distinguant 6 dialectes. Le labourdin, le bas navarrais, le soultan, le guipuscoan, le biscayen et le navarrais. Euskaltzaindia, l'Académie de la langue basque, a renforcé son rôle en faveur de la normalisation du basque. En 1968, lors du congrès d'Arantzazu, il fut décidé d'approuver et de favoriser un nouveau registre appelé Euskara Batua, ou basque unifié. L'unification de la langue s'est principalement fondée sur les dialectes de Navarre, Guipuscoa et Labour. Les années 60, début de la reconquête du basque. Les premières écoles basques sont créées, offrant la possibilité d'apprendre uniquement en basque. Le mouvement en faveur de la culture basque s'amorce. Apparaît également la Fédération d'alphabétisation en basque, l'AEK, pour que les adultes aient la possibilité d'apprendre le basque. En collaboration avec le réseau d'écoles basques, l'école publique de modèle D se développera, les cours n'y étant donnés qu'en basque. Nous nous sommes rendus compte que pour diffuser le basque à travers le monde, les technologies de l'information comme vecteur de communication sont des outils appropriés. Nous sommes le résultat du travail de nos ancêtres. Le basque est toujours vivant et nous adapter à sa nouvelle manière d'être est indispensable pour préserver notre trésor le plus cher, pour perdurer au cours des 6000 prochaines années.